Ok, il est par terre. On va dire bonjour à lui là. J'ai bien fait de mettre ma maison ici. On entend vraiment bien ceux qui farment et tout. C'est cool. On va peut-être aller faire un petit tour au broyeur. On a quoi en scrap là? C'est pas énorme. Hein. Non, il faut 125. Ouais, on n'a pas ce qu'il faut encore. Faut faire des satchels. Je prends tout ce qu'on va aller broyer. Hein. Allez, let's go. La base a tenu la nuit, donc je suis content. Alors là, chat, tac, 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 tac. C'est vrai que c'est intéressant en soi. Putain, ça prend du temps. Si t'as le temps de faire tes stories sur Rust, clairement, c'est intéressant. Ah putain, j'ai pas de tort, j'ai rien. Ah si. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Putain, on est pas mal en vrai, chat. Hein. On est vraiment pas mal. Hein. Bon, ben chat, j'ai l'honneur, enfin, et la satisfaction de vous dire que on a enfin les sacs explosifs, les frérots. Ce qui veut dire que ben, on va tryhard sa grand-mère pour faire des boîtes d'haricots, déjà. Et qu'on va commencer à aller taper des bases. Hein. Bon, on fait la poudre à caca, c'est parti, les frérots. Alors, poudre à canon. Tac. Waouh, on en a pas mal hein, en vrai. Hein. On va faire un maximum de satchel. Je sais même pas combien on va en faire. Là, on peut déjà en faire 10. Tac, 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 tac. Je vais mettre les boîtes d'haricots quelque part. On va les garder au chaud. On va les mettre là. Je vais aller farmer un tout petit peu du soufre et on va voir pour continuer. Ça va pas aller. Hein. Vraiment, ça va pas aller. Hein. Là, par contre, il faut que je fasse un peu de bois, les frérots. Voilà, on va mettre 700 par four, ça devrait aller. Et voilà. Là, on est bien. Bon, ce qu'on va faire, la chat, c'est qu'on va aller voir des bases pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire en termes de satchel. J'aimerais bien aller raid une base, mais je sais pas encore... Il y a celle-là qui est en haut, on pourrait aller raid. Elle a l'air d'être sympa. Il y a celle-là qui est à côté de moi. Il y en a une autre là qui est derrière moi. Il y a la grande là-bas. La grande là-bas, je vais la laisser tranquille. Il y a celle-là qui est là-bas aussi qui pourrait être sympa. Il pense que je l'ai pas vu lui. Il se cache hein. Il se cache. Qu'est-ce qu'il fait? Il a peur hein. Il y en a un qui est sur le toit là, non? Il y en a un autre qui est juste là aussi. Il a que cette tissu lui. Attends, est-ce que lui, il faut que je me le fasse? Ah, il s'est barré le bâtard. Et là, je vais l'avoir. Ok, nice. On l'a eu. On l'a eu, Lulu Berlu. Bah et alors? Qu'est-ce qui se passe? On voulait... Oh, regardez là-bas. Regardez là-bas. Ah ouais, j'ai voulu y aller quand même. Ils sont à deux, hein. Ils sont à deux, hein. On va prendre ça.
Voilà, j'ai récupéré une semi, un révo. Donc là, du coup, j'ai deux semis, deux révos. Putain de merde. Et il y a un gars qui est juste là à la porte, à l'entrée. Putain. Là, faut que je fasse super attention. Ah, ça pète là-bas en plus. Faut que j'aille banquer. Yes! Putain! Bon, et si on commençait à automatiser un peu nos fours, les frérots? C'est pas une mauvaise idée en soi-ci? Voilà, ça c'est bien, ça. Tac, tac, tac. Au moins on a de la loupiote. On va le taper ici, hein. Je pense que là on est très bien, hein. Et là, in, voilà, on a fait le cycle là. Pour le moment, on va la taper là. Hein. Là, on a le out. Voilà. On va faire de la poudre à caca, les frérots. On en a déjà pas fait de la poudre à caca. On va commencer à faire les satchels un petit peu. Histoire de voir où on en est un petit peu là avec les satchels. On va se faire donc du coup les sacoches. On va en faire 10. On va se prendre les boîtes d'haricots. Et on va commencer à faire ce qu'il faut. Hein. Tout simplement. Bon, je peux en faire 8. Hein. J'aurai des boîtes d'haricots en plus sur moi, mais... On verra comment ça se passe, chat. Si je peux me faire une satchel en plus. Regardez, il manque une satchel. Une satchel et on est bon. Allez les fours, allez, allez, on chauffe, on chauffe. Voilà, on est bon là, chat. Bah là c'est good, hein. On y va. Souhaitez-moi bonne merde. Souhaitez-moi bonne merde. Il n'y a plus qu'à. Premier raid. Ah, j'espère que ça va aller. Hein. Si quelqu'un m'attend au-dessus de la base comme ça, là, c'est mort. Hein. C'est niqué, chat. Hein. C'est ça qui me fait peur, moi. Ok. Merde. Putain, il m'a mis de balles. Waouh, 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 waouh. Bien, bien, bien. Là, j'ai eu mal, là. Vas-y, pète. Pète. Yes. Ouais, par contre, il pète pas, quoi. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est... faire un lock. Un 2, un 2, quoi. La carte bleue. Ça, c'est cool. Des révos. On est bien, hein. On est bien. Ça me fait peur. Okay.
Yes. Putain, on s'est pas foiré. Bon, en scrap, par contre, il était pauvre, hein, le bonhomme. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... en termes de scrap, c'est pas la folie. Hein. On peut aller broyer des trucs, mais j'aimerais bien aller vider le reste avant. On va mettre ça ici en attendant. Ce serait dommage de ne pas vider le reste. Il y a encore pas mal, donc il y a des rivaux, il y a plein de trucs intéressants. Let's go. Ok. Voilà. Ok, nice. Bon, ok. On va faire un tour au broyeur. Allez, 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 hop, c'est bon. Là dans la maison pour l'instant le bonhomme, il est plus trop actif. Peut-être qu'il est parti farmer. Et tant mieux pour moi. J'espère juste que je vais croiser personne là, parce que du coup 242 scrap, on est vraiment bien. Par contre, faut faire un petit tri là dans la base, hein, parce que ça commence à devenir le bordel dans toutes les cases. Qu'est-ce qu'il a le cochon là, me couper la route? Ou alors on économise pour la T2, j'en sais rien. Moi, je sais pas. Inévitablement, ce qu'on va faire les frérots, c'est... finir le haut. Là, c'est très, très, très important qu'on fasse un étage. On va se faire bimer la gueule, sinon. On va faire un genre de faux comble ici, non? Ça fait un petit étage en plus. Ça peut être sympa, ça. Tu vois. Voilà quoi. Ça c'est intéressant. Et là. Nice. On est pas mal hein. On est pas mal là. Là, ce qu'il faudrait en vrai, c'est rajouter les doubles portes ici, chose que je vais faire tout de suite. En vrai, c'est intéressant qu'on le fasse. Et ceci. Tac. Tac. Et voilà. Waouh, hey, on est quand même pas mal là. On va quand même passer un petit peu plus en métal les choses là, non? Voilà, là on est pas mal. Bon, pour faire le shotgun trap, il faut quoi là exactement? Piège. Bois, métal, engrenage, corde. Putain, est-ce qu'on a gardé des engrenages? Je pense que oui. Et je pense qu'on a bien fait, effectivement. Alors du bois, là il va falloir arrêter un four. Hein. Bois, métal. On va s'en faire deux des shotgun trap. Voilà. Alors, les shotgun trap, on va en mettre un ici. Ce qui est bien, c'est que quand j'ouvre la porte, il ne le voit pas le shotgun trap. Donc quand il rentre, il se fait défoncer sa grand-mère. Faut vraiment que je le mette de telle manière à ce qu'il se fasse défoncer quand il rentre. Ici. Tu vois? Et je vais en mettre un juste ici, les refs. Ouais, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire pour le moment. Je pense. Alors, l'électricité, ça dit quoi là? 112, 13 minutes. Va vite falloir que je fasse une grosse batterie, hein. Ça craint là. Nice.